Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Ruqya, vous avez encore des packs disponibles sur le site tiryak.com, donc profitez-en parce que peut-être il n'y en aura plus dans quelques temps. Ici donc une vidéo sur un sujet lié à l'eschatologie, très intéressant parce que on va dire qui sera un moment dans l'actualité quand Allahu a'lam, c'est le sujet de la montagne d'or, d'accord, Jabal min Dahab, ou le trésor d'or, un trésor composé d'or qui apparaîtrait lorsque reculera, lorsque s'asséchera l'Euphrate, d'accord, le Tigre et l'Euphrate. Donc c'est un hadith très connu de la part du prophète والسلام, que vers les temps, la fin des temps, parmi les signes de la fin des temps, yun hasirul furat an jabalin min dahab. D'accord, donc l'Euphrate se retirera, d'accord, s'asséchera. Bon, il y a des causes pour ceci, et il laissera apparaître une montagne d'or. Donc soit c'est de l'or brut à traiter, d'accord, ou soit c'est un trésor, un ancien trésor faisant partie d'anciennes civilisations. Ça peut être le trésor de Qarun, c'est pas impossible, sachant que Qarun, il avait un trésor énorme au point où les clés fallait les porter par des ânes, et que les gens, quand ils voyaient Qarun, ils disaient ya laytana mitlama utiya Qarun, si nous pouvions avoir ce dont a été doté Qarun comme trésor, comme richesse. Il était très 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 riche. Mais Allah Azza wa Jal l'a puni et l'a enseveli dans la terre. Il l'a engouffré dans la terre et c'est pas possible qu'il ait été enseveli avec son trésor. Quand je vous parle de trésor, c'est vraiment un trésor énorme. Et donc c'est pas impossible que ce trésor soit un trésor comme ceci, ou soit, comme je vous dis, par exemple de l'or aurifère, et qu'il soit sous l'Euphrate, que ça apparaisse en fait après que ça sèche l'Euphrate, et que ça soit il faut que ça soit accessible au peuple, parce que dans le hadith du prophète, le prophète dit que les gens s'entretueront pour ce trésor, et 99 personnes mourront sur 100, et chaque personne dira ah, peut-être c'est moi qui survivra, d'accord. Donc tout le monde, il y aura ce qu'on appelle at-tam'a. Les gens, eh ben, espéreront, d'accord, avoir une partie de cet or-là. Peut-être aussi que ça prêtera le contexte et l'actualité à ce moment-là. Peut-être parce que, eh ben, les gens commenceront à commercer, à échanger avec de l'or, parce qu'il y aura une crise économique, par exemple. Ou peut-être parce que l'or aura une plus grande valeur qu'il l'a actuellement, alors que vous savez que l'or ne cesse, la valeur de l'or ne cesse, ne cesse, ne cesse d'augmenter, ça ne fait qu'augmenter. C'est ce qui fait de ce sujet un sujet très très important, parce que le prophète nous défend de nous rendre dans cette montagne-là. Si on entend qu'il y a un trésor qui apparaît, que ce soit en Syrie ou en Irak, eh ben, il ne faut pas s'y rendre, parce que les personnes vont mourir pour du dunya, d'accord, pas par une cause religieuse, et en plus il y a un risque, d'accord, que vous ne surviviez pas à cette expédition pour récolter et avoir s'accaparer de cet or, sachant que, comme on va le voir dans cette courte vidéo, qui a un contexte très dangereux, militaire, qui est, comment dire, lié à ce sujet-là. Et vous avez des chirs comme Cheikh Amr Hussein qui considèrent que cette montagne d'or, en fait, c'est métaphorique, parce qu'il y a beaucoup, énormément de métaphores, comme vous le savez, dans l'eschatologie, et qu'ici, Al-Dhahab, c'est dans le sens d'or, mais l'or noir, d'accord, et non pas
l'or, mais le pétrole, d'accord, bon, c'est possible, hein. Il y a énormément de, on va pas nier ceci, il y a énormément de majaz, de métaphores, de métaphoriques dans le domaine de l'eschatologie. Et moi, je suis d'avis qu'ici, c'est pas métaphorique, c'est soit réellement de l'or, un trésor d'or, ou soit de l'or qui est d'une pureté très élevée, qui fait que n'importe qui, avec des outils rudimentaires, peut s'accaparer cet or-là. C'est déjà arrivé, on le voit déjà dans certains pays d'Afrique, où il suffit de creuser sur terre pour s'accaparer un peu d'or, puis vous le vendez à des spécialistes qui vont le traiter, qui vont le rendre encore plus pur, d'accord? Donc déjà, pour les gens du peuple, dans un contexte futur où ben, peut-être qu'il y aura un embargo, peut-être que les gens n'auront pas de quoi manger, peut-être que il y aura une grande crise financière, peut-être que l'or aura tellement de valeur qu'il suffit d'en avoir un tout petit peu pour être riche. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui. Mais tout ceci est possible, hein. C'est pas de l'utopie. D'accord? Donc on va écouter cette courte vidéo et on va la décrypter comme d'habitude. Bismillah, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo. الجبل الذهب ومبنى النمار الاستاذه بشرى ما اظنش والله بدليل شيء بدليل ان لو كان حاليا النفط هو جبل الذهب ما شفناش من كل 100 بيموت 99. الحديث بيوضح من كل 100 واحد هيموت 99. Donc lui, on lui pose la question, est-ce que ça peut être le pétrole, cette montagne d'or? Lui dit non, je pense pas, parce que il dit autrement, on devrait voir automatiquement 99 personnes qui meurent sur 100, d'accord? Selon le hadith du prophète que j'ai cité. حاليا جبل الذهب قد يظهر في العراق او في سوريا على رواف النهر الفرات. Donc la montagne d'or peut apparaître soit en Syrie, soit en Irak, sur l'Euphrate. Après, il faut savoir le contexte. Je n'ai pas expliqué pourquoi cette montagne pourrait apparaître. Parce que la Turquie a des grands barrages, comme le barrage d'Atatürk, qui réduit le débit d'eau de l'Euphrate sur la Syrie et l'Irak. Parce que l'Euphrate part, je crois, de l'Arménie, en tout cas de l'Arménie et Turquie, ou de la Turquie. Mais je crois que l'origine, c'est l'Arménie et passe par la Turquie. Donc la Turquie considère que c'est son eau qui n'est pas sur son territoire. Et donc réduit énormément le débit. Ce qui fait qu'avec la montée de chaleur, le changement climatique, d'accord, en tout cas la hausse des températures, que personne ne peut nier, le fait qu'il y a une pluviométrie très réduite, eh ben, ça réduit, ça assèche l'Euphrate et ça pourrait laisser justement apparaître une montagne d'or, d'accord, ou un trésor d'or, d'accord. Ou soit certains, comme il va le dire dans cette vidéo, considère que suite à un gouffre, d'accord, la terre qui s'ouvre, du un tremblement de terre, pourrait faire en sorte qu'une montagne comme ça, qui était bien enfouie sous terre, contenant de l'or, apparaisse. C'est pas impossible. C'est vraiment un scénario très plausible, je pense. يما حصار في سوريا يما حصار في العراق. هل هناك تواجد عسكري أوروبي غربي في هذا المكان؟ الإجابة نعم، هناك تواجد عسكري أمريكي روسي أوروبي كمان تركي في هذا المناطق. Donc il dit, est-ce qu'il y a une présence militaire dans ces endroits-là, en Syrie et en Irak? Il dit oui, il y a une présence russe, il y a une présence américaine, il y a une présence européenne, il y a une présence turque. Donc ce qui fait que déjà, il y a déjà des casernes, il y a déjà des soldats qui sont présents ici. Donc imaginez-vous qu'en cas d'apparition d'une grande quantité d'or, tous ces pays-là voudraient s'accaparer l'or. N'oubliez pas que la Russie, par exemple, utilise les troupes de Wagner pour s'accaparer l'or du Soudan. C'est un parfait exemple, d'accord? Donc, et que les Américains qui sont en Irak, eh ben, ils avaient récupéré de l'or qui appartenait à Saddam Hussein, des grandes quantités d'or. Donc, n'ayez aucun doute qu'ils vont envoyer leurs armées et tuer toute personne qui s'approche de cet or-là. Mais les Irakiens et les Syriens considéreront qu'ils ont une part dans cet or-là. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont insister pour récupérer cet or-là. Et ça va créer cette grande tuerie de masse. بالتالي القتال حيكون أمريكي روسي أو أي من القوى العظمى. كل من يريد أن يأخذ جزء من هذا الجبل الذي سيظهر من وجهة نظري بعد خسف هو اللي حيخلي الجبل يظهر. هو مش جبل معناها Donc voilà, lui, il est d'avis qu'après un khasf, donc un grand tremblement de terre, une ouverture
la terre qui s'ouvre laissera remonter donc cette montagne. On avait vu qu'il y avait un frère syrien qui vivait en Turquie, avait le même avis. Il avait même fait un schéma à l'époque. نسبة عالي أظن جبل معناها لو أنت أخدته من جوف الأرض من تحت الأرض تجده مليء بمعدن الذهب، معدن الذهب مش النفط. لو النفط حاليا النفط موجود وبيتم استخراجه وسيطرة أمريكا على النفط العراقي والسوري ولم نجد يعني مثال عليه كما وصف في الحديث. Quand on voit que déjà les Américains, sûrement peut-être aussi les Russes en Syrie, commencent déjà à profiter de l'extraction du pétrole, et pourtant il n'y a pas, on n'entend pas 99 personnes qui meurent sur 100, on est bien d'accord. من كل 100 هيموت 99 وفي نهي نبوي على الاقتراب منه. لكن جبل الذهب، جبل الذهب موضوع مختلف عن النفط يعني. لأن النفط حاليا موجود مفيش اطلاق للمذكور في الحديث. Donc il explique voilà que il explique que voilà c'est différent. Là on n'entend pas contrairement au pétrole, d'accord, la montagne d'or, le trésor d'or devrait laisser, devrait faire en sorte qu'il y ait une grande tuerie de masse, et c'est pas le cas avec le pétrole. Donc moi je suis d'accord avec lui, je me suis toujours dit que cette fois-là, un Jebel Medhab, ça à prendre de manière littérale et non pas de manière métaphorique. Et bien sûr, Allahu alam, il y a qu'Allah Azzawajal qui sait. De toute façon, on ne sait pas quand, mais ça pourrait apparaître un jour. D'accord, on a bien vu déjà que c'est très sismique à ces endroits-là, et on a vu ce que ça a donné avec le grand tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, Allahu alam. Et peut-être qu'il y aura d'autres barrages, on ne sait pas ce qui peut se passer encore, peut-être qu'il y aura encore une hausse de température, Allahu alam, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis.